Alors bonjour la gang, je me présente Mathieu Gérard, je suis coordonnateur du conseil en physique ici à la BFC Bagotville. Aujourd'hui, j'ai un entraînement spécifique au test force à vous offrir. Donc oui, c'est davantage pour les militaires, mais ça reste que c'est excellent pour la communauté ou pour les civils. Ça reste un entraînement qui est extrêmement complet. Tout ce que vous aurez besoin aujourd'hui pour l'entraînement, c'est un sac à dos. Ça va reproduire le sac qu'on utilise au test force d'environ 20 kg. Donc prévoyez là, quelques livres pour, en fonction de l'exercice qu'on va faire. Prévoyez également de la musique à la maison, super important. Et lisez les avertissements qui suivent. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Alors pour l'échauffement, qu'est-ce que je vous propose, c'est de faire le même échauffement qu'on fait au test force aux militaires. Donc ça vous donne une idée là, de ce qu'on fait là, réellement à l'intérieur du test. Donc on débute par un talon-fesse. Bien évidemment, normalement ils font dans le gym, donc ils avancent. Là, on fait tout l'échauffement aujourd'hui sur place. On va intégrer les bras. Ici à l'avant. Là, on y va maintenant avec des genoux. On commence sans les bras. Et maintenant, on intègre une tirade des bras. Super, on va croiser les bras à l'avant comme ça. Excellent, la marche Frankenstein, donc on essaie de toucher pieds et mains. Gardez votre jambe en extension. Pas grave si on ne touche pas aux pieds, mais on veut simplement un rebond dans notre jambe. Super, sur place. Maintenant, on va jogger, donc on lève les genoux tout simplement. On va accélérer un petit peu. Super. Prenez-vous une certaine distance. On va faire des pas chassés. On va faire quelques allers-retours. Donc, gardez les jambes assez basses. Fléchissez vos jambes. Gardez votre dos bien droit. Continuez encore un peu. Encore 15 secondes. Super, stop. On prend notre sac ici. On va pratiquer là, une technique de soulever. Pieds là dans les hanches. On va faire 5 soulevés ensemble. Donc on sort les hanches vers l'arrière. On fléchit les jambes. On va chercher notre sac. Pour 1. Pour 2. Pour 3. 4. Et 5. Les pieds plus larges que les hanches, en ouverture comme ça, je garde mon dos bien droit et je m'en vais de côté. Je peux même m'accoter sur ma jambe ici. Je vais garder quelques secondes et je m'en vais de l'autre côté. Pour deux, remarquez ici, mon genou est vis-à-vis mon deuxième orteil. Ma jambe ici est en extension. 3. 4. 5. Et 6. Le bras en extension, je m'en vais de côté.
Pas un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Puis en jouant les hanches, je vais faire une fente à l'avant. Je reviens au point de départ. Pour un. Pour deux. Pour trois. Quatre. Cinq. Et six. Je m'en vais au sol. Levez les mains. Donc en position push-up, on lève les mains, on lève. Pour un. Deux. Trois. Et quatre. Restez en position. À portée de la main, le pied à côté de la main. Je peux même déposer ici mon genou au sol. Je regarde ma main avec mes yeux et je rotationne. Pour un. Deux. Trois. Et quatre. L'autre côté. Pour un. Deux. Trois. Et quatre. Super, l'échauffement est terminé, on s'en va en première partie. Good, première partie de l'entraînement aujourd'hui par rapport à la course précipitée. La course, il faut faire 7 lignes. Donc, toucher à la ligne, aller au sol, lever les mains. C'est un exercice, un test qui demande beaucoup de puissance. Oui, au niveau du bas du corps parce qu'on sprint dans les lignes, mais aussi au niveau du haut du corps parce qu'il faut se relever du sol. Et nous, on remarque souvent que les gens manquent un peu de puissance là, en poussant avec leurs mains. Donc aujourd'hui, l'entraînement que je vous propose pour la course précipitée, c'est vraiment, vraiment pour ça la puissance au niveau des triceps pectoraux. Donc premièrement, les burpees, exercice classique là, pour la course précipitée. On va en réaliser 7 très rapidement. C'est un exercice de vitesse là, pour la course précipitée. Donc je vous montre l'exercice. Je vais aller, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer ma façon. Donc je m'en vais au sol et je reviens. Donc vraiment, mon chest s'en va jusqu'au sol. Je peux même là, toucher à ma ligne avant. Pour vraiment faire comme la course précipitée. Sinon, je peux rester comme ça, les bras en extension. Et revenir, au moins ça va pratiquer là, mon enjambé vers l'avant tout simplement. Okay? Donc c'est à vous de voir. Ça dépend de vos capacités. Donc on a 7 répétitions à faire. On va en faire quelques-unes ensemble. Donc je vous invite à me suivre. C'est comme un peu un échauffement spécifique. Donc c'est parti, on en fait quelques-uns. Ah, lever les mains rendues au sol aussi, hein, c'est important. Parce qu'au test, on doit lever les mains. Ok, stop. Petit échauffement qui est intéressant à faire avant. On va débuter dans 15 secondes. On en fait 7 extrêmement rapidement. On prend une minute de pause. Et on le refait 2 autres séries. Dans 10. Préparez-vous, on veut ça rapide, rapide, rapide. Dans 4, 3, 2, 1. C'est parti! Alors, chacun son rythme. Je vais aller en moyenne, là. Je vais partir de la minute de pause ici, là. Donc, il y en a probablement qui sont plus rapides que moi, il y en a d'autres qui sont plus lents. Donc, je débute là la minute. Alors, comment ça a été? N'oubliez pas de focusser sur la puissance, sur la vitesse. Oui, la qualité du mouvement est importante. Mais là, ici, c'est vraiment rien que beaucoup de vitesse. Donc, 30 secondes environ. On en fait encore 2 autres d'essayer comme ça. Au test, là, il y en a qui ramènent seulement une jambe comme ça. Vous pouvez le faire aussi là, pour pratiquer vraiment. Être spécifique encore une fois, c'est parfait. Là. Dans 6 secondes, 5, let's go, 4, 3, 2, 1, let's go!
Good, on commence la minute de repos ici. Il va nous manquer une troisième série. On effectue 7 répétitions ici. C'est pas pour rien, il y a 7 lignes au test comme je vous disais tantôt. Donc on est réellement dans les bonnes répétitions. Dans 30 secondes. Vous pouvez marcher sur place, respirer, mais en vous gardant bien actif, c'est important. Dans 20 secondes. Dans notre dernière, on donne tout ce qu'on a sur la rapidité. Dans 10 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Good job. Donc, il nous reste une deuxième partie à la course précipitée. Alors, la deuxième partie de la course précipitée, c'est un IMUM. Donc, c'est every minute on 2 minutes. Le but de cette petite partie-là, c'est des push-ups qu'on va effectuer avec une charge. Vous allez vous choisir un nombre de répétitions. Je vais aller pour 12. Personnellement, ça dépend de votre charge, ça dépend de votre endurance également. Donc, je vais avec 12. Ça veut dire qu'on débute le chronomètre et j'ai 12 répétitions effectuées dans ma minute. Si je le complète en 30 secondes, ben ça veut dire qu'il me reste 30 secondes avant de procéder à ma deuxième série. Okay? Donc, même principe pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième minute. On fait 6 minutes au complet. Donc, plus on le fait rapidement, plus on a du temps de repos, plus ça nous prend presque la minute de faire nos push-ups, bon, on ne s'en sortira pas d'ici la sixième. OK? Donc, je vous montre. Ben, en fait, je vais vous l'expliquer avant de vous le montrer. On va aller au sol. Je vais placer mon sac dans mon dos. Pourquoi je prends mon sac? C'est que je vais avoir un petit peu moins de répétition. Fait que je m'ajoute du poids là, pour travailler un petit peu plus en force et en puissance. Donc, je suis au sol. Je vais avoir mon sac à dos qui va être dans mon haut de dos. OK? Je lève les mains. Et là, on est parti comme ça, parce qu'on se souvient, la course précipitée, ben, il faut lever les mains à chacune des lignes. Donc, choisissez des répétitions que vous allez effectuer durant les moments. Placez votre sac et on débute dans 15 secondes. On débute dans 5 secondes. Dans 2, 1, c'est parti. Ça fait 25 secondes. On est rendu à 30 secondes de fait. Allez, allez, continuez. Pour ceux là, qui ont terminé un peu trop tôt, là, ça annonce quand même quelque chose qui va être très facile. Augmentez votre nombre de répétitions. Je vais l'augmenter pour ma part à 15 répétitions. Donc, on s'ajuste là. Dans 10 secondes, ça va être notre deuxième minute. Donc, même principe. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
fait 30 secondes de fête. On commence à ralentir un petit peu. C'est une bonne nouvelle parce qu'on commence à être un petit peu fatigué. C'est notre deuxième minute sur 6. Dans 15 secondes, pensez à expirer votre air quand vous montez dans votre mouvement. Dans 10. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Alors la deuxième partie de l'entraînement, soulevé de sac de sable, on va avoir besoin de notre sac encore une fois.
Le test s'agit de faire 30 répétitions, 15 de chaque côté. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais débuter en faisant 15 répétitions de ce côté-ci. Et on se souvient, durant le test, il y a des déplacements latéraux, des pas chassés. Donc, on va le faire. Je vous montre en quoi consiste cette partie. Je fais mon soulevé pour 1, je le dépose, pas chassé et je reviens. Pour 2, ainsi de suite. Okay? Ce qui va être important de bien comprendre, c'est que si mon sac devra atteindre une hauteur de 1 mètre, donc peut-être entre la poitrine et les hanches, ça peut être une hauteur qui est acceptable. Et le pas chassé, normalement c'est une distance de 1,5. Allez-y, un petit peu comme vous le sentez, là, mais on veut une certaine distance là, de pas chassé là, pour bien être spécifique au test. Donc on en fait 15 ici, 15 de l'autre côté. On prend une pause d'une minute 30 et on va faire 3 séries comme ça. Okay? Donc préparez-vous. On commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2. 3, 4, donc chacun son rythme, bien entendu, là, je compte les répétitions, mais allez-y à votre rythme, on a 6, 7, utilisez vos jambes, là, sortez les hanches vers l'arrière, pliez vos jambes, le dos devrait rester bien stable. Et 15, je vais me déplacer de l'autre côté. Je vais faire le même principe ici maintenant. Allez, la pause après. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 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 allez. Let's go. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15. Super! Première série faite. Je vais aller en moyenne avec vous, votre effort aussi. Là. Je vais débuter le repos dans 15 secondes pour 1 minute 30. Continuez si vous n'avez pas terminé. Là. Continuez, gardez votre rythme. Allez! Donc, le repos va débuter dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, même si vous n'avez pas terminé, prenez votre repos pour suivre. Là, on suit tout le monde ensemble. 1 minute 30 de repos. Et on recommence. C'est bon pour le cardio, c'est bon pour les jambes, bien entendu. Faites attention, là, je le répète souvent, le dos bien droit, les, on utilise nos jambes, mais si vous saviez le nombre de personnes qu'on voit qui rondissent le dos, qui utilisent les lombaires là, au lieu d'utiliser des gros muscles comme les jambes, comme les fessiers. Donc pensez, là, je sors mes hanches, je plie mes jambes. Fait que mon dos il a simplement suivi l'angle. Là, Que je lui propose en sortant mes fesses de l'arrière. C'est cet angle-là que je lui donne. Rentrer dedans également, c'est super important. Ah, il y a un dernier point là, super important là, pendant qu'il nous reste 45 secondes, c'est 1 minute 30 qu'on a. Dernier point super important, oui, là, votre technique, je suis certain que vous faites attention en montant, en ramassant votre charge, mais pensez également à votre technique en descendant votre charge au sol. C'est évident là, que si vous rondissez le dos en descendant, bien c'est pas aussi pire qu'en montant, mais c'est clairement pas un bon mouvement pour votre colonne vertébrale. Dans 15 secondes, on débute ça. On va décoller de l'autre côté pour faire un changement. Dans 10, notre deuxième série, on en fait 3, on se rappelle. Dans 4, 3, 2, 1, let's go.
tout. Laissez le temps à tout le monde de compléter. Ouh, il nous manque une troisième série. Donc, stop, même si vous n'avez pas terminé, prenez votre repos. Je préfère qu'on suive là-dedans. 1 minute 30 de pause. Et ça va être notre dernière. Là, on va essayer de ne pas ralentir, de garder la cadence. Là, le sac que vous avez probablement ne pèse pas 20 kg. Normalement, c'est 20 kg. La grande majorité du temps, le rendu à 15 répétitions, les gens commencent à ralentir de beaucoup. Donc là, avec une charge qui est un peu moins lourde, ben notre troisième série elle vient à équivaloir un peu là, notre 15e répétition avec une charge de 20 kg. C'est moins lourd, mais on en fait plus de répétitions. Donc, il nous reste encore 45 belles secondes de repos. Par la suite, la troisième partie, ça va être la marche intermittente. Et la quatrième, bien entendu, ça va être le drag, la traction de sac de sable. Ça va être super intéressant. Il nous reste 20 secondes. Donc, gardez votre cadence. Dans 10. Let's go, on s'encourage. Dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 4. Ah, let's go, let's go, let's go. 5, 6. Sors les hanches. 12. 13.
14. 15. Super. Si vous n'avez pas terminé, continuez. Sinon, on se rejoint à la troisième partie de la marche intermittente. Allez! Alors, le troisième test, la marche intermittente, c'est un test qui nécessite beaucoup d'endurance cardiovasculaire et ainsi de l'endurance musculaire. Musculaire, puisque c'est le troisième test, donc on est fatigué, là, surtout du soulevé de sac de sable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour simuler ce test-ci? C'est qu'on va avoir besoin de notre sac ici. Durant le test, on peut soit le porter sur le pôle ici comme ça, c'est comme ça que je vais le faire aujourd'hui. Je peux soit y aller de façon perso ou soit valise. Donc je peux prendre ma poignée et y aller côté comme ça à moi. Donc mon premier exercice, je vais aller comme ça. Je vais marcher accroupi. Je vais y aller avec 10 allers-retours sur une certaine distance. Là, moi ici c'est environ 2 mètres. À vous de voir chez vous quelle distance que vous avez. Donc, je vais faire 10 allers-retours et par la suite, je vais déposer mon sac de sable et je vais faire 40 de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 40. Je redécolle par la suite, encore une fois, je prends mon sac de sable, je fais 10 allers-retours, 40 de nouveau et il va y avoir une minute de repos par la suite. OK? Je vais vous donner une minute de repos et on refait ce superset d'exercice deux fois. Donc, c'est 3 séries totales. Good? Donc, préparez-vous. Prenez votre sac de sable. Donc 10 allers-retours. On décolle ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc une belle marche rapide ici. Pas de course. 1, 2, c'est pour fatiguer les jambes au test. Là, c'est de la marche rapide qu'on fait avec le sac aussi. 3. Allez, allez, on descend. 4. Ça se fait assez rapidement, là. 5. 6. Allez, 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 allez. 7. 8. Ça va bien. Allez, continue. 9. 10. 40 de nouveau. 30. On peut changer la position de notre sac, là, c'est à vous voir. Je vais essayer valise, voir. Voilà. Allez, allez, on descend les jambes. 2, en gardant le dos bien droit. 3, 4, 5, 6, allez, allez, continuez, continuez, 7, 8, 9, et le dernier. 10, 40 de nouveau, allez, stop, je vais donner encore 15 secondes pour donner la chance à ceux et celles qui n'ont pas terminé, allez, continuez, continuez, vous avez encore 10 secondes, 1 minute de repos. On a 2 autres séries comme ça effectuées. J'espère que ça a bien été. Travaille les jambes pour la première au niveau de la marche. Puis le deuxième est davantage au niveau du cardio. Là, c'est vraiment ce qu'on ressent au test. Là. La marche nous épuise un petit peu plus le musculaire avec la charge qu'on transporte. Puis à la course ou au sprint, c'est très très cardio. Il nous manque 20 secondes de repos. Je vous encourage à essayer les différentes positions de le sac. Là. Je vous rappelle sur l'épaule, perso ou valise. Donc, dans 15 secondes, préparez-vous. Essayez perso cette fois-ci. Dans 3,
2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 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 let's go, 6, 7, 8, 9, et 10, les genoux, allez. Excellent. On va essayer les versions encore, ça a bien été. Allez. 1. 2. Allez, let's go, let's go. 3. Variez hein, le côté que vous, vous tournez. 4. 5. Let's go, let's go. 6, 7, let's go, 8, 9, et 10, les genoux. Deuxième série de fêtes. Je vous laisse encore 15 secondes avant de calculer le temps de repos. Continuez, continuez. Let's go. Alors, une minute de repos. Même si vous n'avez pas terminé, là, arrêtez ici. On va suivre. On a une minute de temps de repos. Donc, qu'est-ce qui nous attend par la suite? Ça va être la traction de sac de sable. Bien entendu, on ne tirera pas de sac aujourd'hui, mais j'ai une belle alternative à vous proposer. Là, vous allez voir, c'est un mouvement qui est assez réaliste, assez proche de la traction de sac de sable. Donc, il nous reste un 30 secondes, je crois. Là, j'ai peut-être perdu le fil, là, mais je pense un 30 secondes. Continuez à marcher sur place. 20 secondes, là. Essayez encore une fois la position. Moi, j'ai remarqué qu'avec ce sac-ci, la position perso va drôlement bien. Ça dépend du sac, là. Dans 10. 10. On va l'essayer, valise. C'est parti. 1. 2. Allez, allez, allez. Une belle marche rapide. 7. 8. Allez. 9. 10. Allez, allez, on regarde. Let's go! On va essayer verso. Hop! Let's go! On finit ça en beauté. Let's go! 1. 2. 3. Ah, descend, descend, descend. 4. 5. 6, let's go, 7, 3 derniers, 8, 9, un petit dernier, genoux, allez, allez, rapide, rapide, rapide.
rapide, rapide. Troisième test de fait. On va être rendu à traction de sac de sable. On se revoit là. Alors, le dernier test est la traction de sac de sable. Oui, ça nécessite de l'endurance parce qu'il est en quatrième. Donc, on arrive là fatigué, brûlé. Mais ça nécessite beaucoup de force et aussi de la puissance parce que la charge qu'on tire devant nous est excessivement lourde. Donc, ce que je vais vous demander dans les deux exercices, c'est d'aller chercher un petit peu de puissance dans votre mouvement, un petit peu de vitesse. Okay? Mais oui, il va y avoir de l'endurance, c'est clair, on en a besoin aussi. Dans le premier mouvement, on prend le sac de sable dans nos bras. Quand on fait une traction là, de sac de sable, les militaires qui m'écoutent à ce moment-là, vous allez comprendre, là, quand on fait un drag, il y a une jambe à l'arrière qui recule. Et là, normalement, ma jambe gauche continuerait comme ça. Mais tout d'abord, mon premier mouvement, j'ai une espèce de fente à effectuer. Donc, je passe mon pied à l'arrière, je vais compléter ma fente et je vais revenir. Donc, je veux me rendre rapidement à mon point de fente, descendre, revenir. On va en faire 10 par jambe pour représenter justement l'espèce de traction qu'on a à faire avec nos jambes. Et par la suite, on va s'en aller au mur. On n'est pas à 90 degrés, on va être à 45 degrés parce qu'au drag, on est à 45 degrés. Donc, comme ça ici, en position chaise. Et là, je simule la traction. Ça veut dire que je pousse vers le mur. 1, 2, 3, 4. Donc, ça va travailler mes jambes et ça reflète très bien le mouvement que j'ai à faire au niveau de mon drag. On va faire les deux exercices en enchaînement. On a une minute de repos par la suite. On va faire 3 séries. Donc, prenez votre sac de sable. On va débuter par les fentes. Mon sac, là, je peux l'avoir ici, je peux l'avoir en avant. C'est à vous voir. Normalement, au test, il serait comme ça. On peut y aller comme ça. Donc, on y va. C'est parti pour défendre. Hop! 1. N'oubliez pas, allez-y. En puissance. Aussitôt que je touche au sol, hop, j'explose. Ça fait 2 par jambe que je fais. 3. On en veut 10 par jambe. 4. Je prends mon air en descendant. J'expire en montant. 5. Hop. 6. À ton air, expire. 7. Hop. 8. Hop. 9. Et 10. Hop, je vais garder mon sac de sable, je vais aller au mur, faire ma chaise, 45 degrés. Et je pousse, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une minute de repos. Et on va faire notre deuxième série. Assurez-vous au niveau des fentes de garder votre dos bien droit. En aucun cas, on veut qu'il rondisse. Au niveau de la chaise, moi pour m'assurer que je pousse, là, j'aime un petit peu décoller mes omoplates du mur, puis je fonce, autrement dit dans le mur, là, pour m'assurer vraiment que j'applique une bonne force au niveau de mes jambes, une bonne puissance. Donc, on est rendu à 30 secondes de pause de fin, il nous reste un autre 30 secondes, et 2 séries devant nous. Dans 20 secondes. J'espère que vous avez le sourire à la maison. J'espère qu'il fait beau. Mais peu importe la température, ben, ayez le sourire. C'est toujours plus plaisant de s'entraîner le sourire. Dans 10. Prenez votre sac de sable. Et c'est parti. 1. 2, hop, 3, 4, hop, 5, la moitié est faite, allez, galerie, 6, hop, 7, allez, allez, hop, 8,
9. Hop. Hop. 10. Allez, attraction. 45 degrés. Et on pousse pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent! Excellent! Il nous en manque un et on passe à l'étirement par la suite. Donc, donnez tout ce que vous avez pour le dernier. Si vous avez des livres, ajoutez-en. Si vous avez encore de l'énergie dans le corps, je suis certain que oui. Donc, libre à vous de le faire dans 40 secondes de notre dernière série. Ça va avoir très bien été. Je pense que c'est un entraînement qui a été super complet au niveau du test force. Et répétez-le là, si vraiment vous voulez progresser dans votre préparation au test force. Simplement gagner de l'endurance ou de la force en général. C'est bon pour tout type d'objectif, je crois. Mais encore plus spécifique au test force. J'ai perdu le fil. Dans 20 secondes, hein? Environ ça, d'après moi. Difficile de parler et surveiller le temps maintenant. Dans 10. Dans 5. Prenez votre sac. 2. 1. C'est parti. Hop. 1. 2. 3. Allez, allez, explose. 4. Allez. Hop. 5. 6. Come on, let's go. Allez, c'est nos dernières répétitions. 7. 8. 9. On est parti au but. Allez. Let's go, 45 degrés. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super! Très bien, la gang. On se rejoint pour l'étirement. Good job! Excellent. On va débuter l'étirement au sol. Commencez en plaçant les fesses sur les talons et je vais tirer mes mains vers l'avant, comme ça. Donc, je peux soit vraiment étirer vers l'avant pour étirer mes dernières épaules, mes grands dorsales. Et sinon, je peux simplement déposer mes coudes au sol de cette façon pour relâcher mon bas de dos. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'entraînement d'aujourd'hui, la gang. Très content de vous avoir eu avec moi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, PSP BFC Blagueville. Allez visiter également notre page Facebook au même nom. On retrouve une foule de vidéos, des capsules. On a travaillé beaucoup les push-ups aujourd'hui. Il y a un checklist vidéo qui vous présente là, tous les points importants pour un bon push-up. À quatre pattes. Je vais apporter ma main droite en dessous de mon épaule gauche. Et je vais aller la porter le plus loin possible et je dépose par la suite mon épaule droite au sol. Ça étire à peu près le même muscle encore derrière mon épaule droite, je devrais le sentir. C'est comme si quelqu'un m'étirait par là-bas. De l'autre côté. À genoux, comme ça, dos bien droit, je vais tirer mon psoas, mon fléchisseur à la hanche, j'ai quand même ma colonne vertébrale bien droite, et c'est comme si je poussais ma fesse gauche vers l'avant, donc là je viens de m'exposer, et par la suite j'avance un petit peu vers l'avant. Okay? Donc j'ai basculé ma hanche pour l'exposer, et par la suite j'avance ma fesse vers l'avant. Je le sens là, sur le devant de ma cuisse ici, là, c'est dans le haut du muscle de la cuisse, le quadriceps.
On peut même là, augmenter l'efficacité de l'étirement en allant chercher mon pied à l'arrière. Et là, de cette façon, je tirerai mon quadriceps en même temps. L'autre côté. On relâche. Good, debout. On va rouler le cou. Un 10 secondes. On relâche les épaules en même temps. Et je tire à gauche. Descend les épaules, c'est super important. On rotation le cou encore une fois, mais de l'autre côté cette fois-ci. Et on étire de l'autre côté pour terminer. N'hésitez pas également à marquer des commentaires. On les lit tous. Si vous avez des recommandations, des suggestions, ça nous ferait vraiment plaisir. Alors, je vous remercie la gang. Passez une merveilleuse fin de journée. Bye bye.